comment se passe l'adaptation en Pologne? Comment vous avez été accueilli par ce pays? Donc, les Polonais étaient très bienveillants, mais je n'aime pas être la réfugiée. Je voudrais revenir à la maison. Comment se passe l'adaptation? On se dit que ce n'est pas la même langue. Comment vous faites au quotidien justement pour vivre en Pologne? Je sais parler polonais un peu. D'accord. C'est pas très difficile pour moi. J'ai des nouveaux amis ici. Vous allez en cours en ce moment en Pologne? Ici, j'étudie dans une école ukrainienne qui a été créée pour les réfugiés, car ici, il y a beaucoup des enfants ukrainiens et les professeurs. C'est pourquoi le ministère d'éducation ukrainien et la fondation caritative a créé cette école. Et justement, comment se passe à l'école au quotidien? Quels sont les cours qui vous sont dispensés? Est-ce que ce sont les mêmes programmes que vous aviez quand vous étiez encore à Kiev? Oui, c'est le même programme. C'est pourquoi j'aime cette école. J'ai quelques amis qui étudient dans les écoles polonaises. Ils ont une classe spéciale, mais c'est plus difficile à étudier là-bas. Anastasia, est-ce que vous avez des nouvelles peut-être d'amis qui, eux, Non. n'ont peut-être pas eu le choix et qui sont toujours en Ukraine? Comment se passe leur scolarité? J'ai des cousins qui sont en Ukraine et quelques amis. Ils sont à l'ouest de l'Ukraine et ils étudient dans les écoles locales. Mais C'est-à-dire que c'est bien c'est-à-dire pour qu'à eux. l'ouest, il y a encore bon nombre d'écoles aujourd'hui à l'ouest du pays qui sont, allez, un peu préservées des bombardements et qui restent ouvertes, où les profs tous les jours vont faire cours, c'est ça, pour tous ces jeunes? Oui, à l'ouest de l'Ukraine, les écoles fonctionnent en personne, mais ma école natale, elle donne des cours en ligne maintenant et j'étudie maintenant dans deux écoles. Je combine ça, mais je vais choisir quelque chose.